Sevgili seyirciler, aramızda Müzik Var ile yeniden birlikteyiz. Müzik yolculuğumuzun bu haftaki durağı Ağrı. Burada bulunmamızın nedeni Chico and the Gypsies. Arlı'da ilk yerleşim M.Ö. 6. yüzyılda Fenikeliler tarafından kurulur. Yüzyıllar sonra bölge Romalıların hakimiyeti altına girer. Bu dönemde bir kanal ile Akdeniz'e bağlanan Arlı, liman ticareti sayesinde zengin bir şehir haline gelir. Julius Caesar şehri bir Roma kolonisi olarak yeniden kurar. Roma İmparatorluğu 5. yüzyılda çökerken Arl da düşüşe geçer. Vizigotlar, barbarlar ve Sarazenler tarafından saldırıya uğrar. 12. yüzyılda bölge Arl Krallığı olur ve şehir eski ihtişamını bu yeni bağımsız devletin başkenti olarak yeniden ele geçirir. 1521 yılında Arl Provence'a kalıcı olarak bağlanır. Böylelikle Fransa'nın bir parçası olur. Şehir 17. ve 18. yüzyıllarda Kuzey Afrika'dan gelen göçmenler için giriş noktası haline gelir ve bu dönemde şehri karakterize eden binalar inşa edilir. Fransa'nın en eski şehirlerinden biri olan Arl, müzeleri, antik kalıntıları ve romanesk kiliseleriyle Provence'ın ruhu olmaya ve sanatseverlerin gezginlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Biliyorsunuz sizlere şehirlerin sanat ve kültürle ilgili mekanlarını tanıtıyoruz. Eğer bir şehirde bir sanatçının bıraktığı izler varsa onları size yansıtmayı seviyoruz. Dünyanın en önemli ressamlarından biri olarak kabul edilen Vincent van Gogh'la yolumuz ikinci kez kesişiyor. Eindhoven bölümümüzde Noonan'a giderek onun ayak izlerini takip etmiştik. Şimdi de Van Gogh'un 20 Şubat 1888'de gelip yerleştiği ve en önemli eserlerini ürettiği şehirdeyiz. Van Gogh'un Arl'daki izlerini takip etmeye Fondasyon Vincent Van Gogh'tan başlıyor. Sophie, est-ce que tu peux nous parler de la mission de cette fondation? Voilà. Alors, la fondation Van Gogh Arles, c'est un musée qui organise des expositions. Elle rend hommage au passage de Van Gogh à Arles. Van Gogh est venu en 1888. Il est resté un peu plus de 44 jours. Voilà, exactement. Mais il n'y avait pas de traces. Pas de tableaux étaient restés, puisqu'ils se retrouvent dans d'autres musées dans le monde. Et ce lieu permet de faire revenir des œuvres à Arles, qui était vraiment la ville préférée de Van Gogh, presque on peut le dire. Et donc, au-delà de ses œuvres, on regarde aussi comment Van Gogh a influencé d'autres artistes, et notamment des artistes contemporains. Donc vous verrez ici toujours des surprises, avec notamment des œuvres d'artistes contemporains mélangées aux œuvres originales de Van Gogh. Comment Van Gogh a passé ses journées à l'art? Voilà. Alors Van Gogh arrive ici après de Paris. Hein. Il arrive de Paris avec le train un mois de février. Évidemment, il est seul. Hein. C'est son projet de venir peindre à Arles. Il va y rester pendant un peu plus d'un an et demi.
et il va peindre 200 tableaux. Donc il travaille essentiellement seul, hein, c'est un artiste qui peint seul, mais dès qu'il arrive ici, il est absolument passionné par la nature arlésienne. Gelin şimdi bu şehirde Van Gogh tablolarına ilham olan bazı yerleri görelim. Van Gogh bu binada yaşamış. Hatta Paul Gauguin'i de 9 ay misafir etmiş. Bina 2. Dünya Savaşı bombalamaları sırasında yıkılmış. Artık onun adıyla anılan bu kafeyi Eylül 1888'de resmetmiş ve demiş ki bu bir gece tablosu ama hiç siyah kullanmadım. Sadece maviler, leylak rengi ve yeşilin tonları. Burayı o kadar çok seviyorum ki. Van Gogh 1889 baharında psikolojik tedavisi için kaldığı bu hastanenin avlusuna aylarca bakar. Ve bu esnada rengarenk bahçeyi resmeder. Arla yakın bir kanalda yer alan Langula Köprüsü, Van Gogh'a memleketi Hollanda'yı hatırlatır. Yeniden inşa edilen köprü artık Pont Van Gogh olarak anılıyor. Burası Müze Reattü. Diğer adıyla Arles Güzel Sanatlar Müzesi. Arles doğumlu ressam Jacques Reattü'nün eserleri bu müzede sergileniyor. Jacques Reattü 1760 yılında doğar. Paris Kraliyet Resim ve Heykel Akademisi'ne girer. O dönem en soylu tür olarak görülen tarih ressamlığına ilgi duyar. 30 yaşında Grand Prix de Rome ödülünü kazanır. Ancak siyasi iklim onu İtalya'dan ayrılmaya mecbur eder. Reattü Arles'a geri döner. Commanderie de Salière binasını alarak Rhône nehrine karşı stüdyosunu kurar. Ressamın en verimli dönemi başlamıştır. Geniş çaplı dekorasyon projeleri üstlenir. 1833'te Aziz Paul de Beaucaire Kilisesi için hazırladığı 5 eserden sadece 3'ünü tamamlayabildikten sonra vefat eder. Arles şehri, onun şerefine ikamet ettiği yerde kurulan müzeye adını verir. Müzede başka sanatçılara ait çizimler, heykeller ve fotoğraflardan oluşan geniş bir koleksiyon da var. Özellikle Picasso'nun iki eseri dikkat çekici. Annesi Maria'nın 1923 tarihli portresi ve Van Gogh'un Madame Ginou portresini referans alarak 1937'de resmettiği geleneksel Arles elbiseli Lee Miller portresi. Arles, Roma Tiyatrosu, İmparator Augustus döneminde 1. yüzyılda inşa edilmiş. 33 basamakta 8000 kişilik oturma kapasitesine sahip. 1981 yılında Dünya Mirası listesine dahil edilmiş. Dinsel törenler, tragedya ve komedya türü oyunların sergilendiği tiyatrolar ilk olarak antik Yunan kentlerinde M.Ö. 6. ve 5. yüzyıllarda ortaya çıkar. Milattan önce 4. yüzyıldan itibaren tiyatrolar taştan yapılır. Romalılar ise milattan önce 55'e dek oyun öncesi ahşap oturma sıraları ve sahne binası inşa ediyor ve sonra söküyormuş. Romalıların inşa ettikleri ilk tiyatro Roma'daki Pompei Tiyatrosu'dur. Romalılar mimarlıkta ustaydı ve tiyatroya da bu konuda katkıları olmuştur. Roma Tiyatrosu Yunan tiyatro yapısında bir takım değişiklikler yaptı. Bu değişikliklerin en önemlisi ise sahne ile yani skene ile seyircilerin oturduğu bölüm olan kavea'nın bir bütün oluşturması. Müzik
Salut, Chico. Fouad, bonjour. Très heureux. Bon, moi aussi, je suis très heureux d'être ici. Vous nous accueillez dans ce merveilleux village. Bienvenue dans le patio de Camargue. C'est un petit village que j'ai créé il y a 25 ans. Et je suis ravi de vous le faire découvrir aujourd'hui. Ah, je suis très content. Alors, on visite. Allez. Merci. Alors ici, c'est j'ai fait comme un petit village gypsy. Oui. Mais en fait, il y a 25 ans, c'était une usine par terre qui était une ruine. Ah bon? Depuis presque 20 ans. Et moi, j'ai eu la chance d'acheter le terrain parce que j'habitais à côté. Et cette usine qui était par terre, qui était une ruine, j'en ai fait un lieu de vie et de fête. Et aujourd'hui, je le partage avec le public et le privé. Et c'est extraordinaire. Vous avez créé une chose incroyable. Partager et profiter du lieu, mais en même temps de l'histoire gypsy, de mon histoire. Et quelque part, vous avez vu, on a mis des photos. Ah ouais. J'ai essayé de retracer mon histoire en photo. Ça, c'est quand j'étais nommé ambassadeur pour la paix à l'UNESCO. Le commandant Cousteau, c'était mon parrain. Ouais. Et là, regarde ça, c'est incroyable. Le Dalai Lama. Mais c'est vrai Et moi, j'ai eu la chance d'avoir des rencontres dans ma vie, mais extraordinaires. Que ce soit Brigitte Bardot ou ces personnages, l'abbé Pierre, Helmut Kohl. L'abbé Pierre, oui, c'est ça. Je me suis toujours retrouvé avec des personnages. Jamais dans ma vie, j'aurais rêvé de vivre ça. Oui, c'est ça. Et quelque part, c'est mon destin qui a fait que... C'est la musique qui fait ça. Mais la musique est une clé qui ouvre la porte déjà dans le monde entier pour le public et puis surtout pour des personnalités. Ouais. Mais ce qui est génial, c'est que toutes ces personnalités ont adoré notre musique. Ouais. Et moi, je suis ravi parce que quelque part, je me dis qu'il n'y a pas, il n'y a pas de barrière sociale. Il n'y a pas de barrière de langage. C'est pour ça que nous avons une carrière internationale. Ça. Ici, par exemple, c'est un peu, la page à Manitas de Plata. Tout le monde le connaît, Manitas de Plata. Guitariste extraordinaire qui faisait partie de la famille. Et vraiment, pour nous, quand on était très petits, c'était notre idole. Et, chaque fois, ça nous permettait de lui rendre un hommage parce que Manitas, s'il n'avait pas existé, je crois que même Gypsy King ou Chico et les Gypsy, on n'aurait pas existé. Alors là, vous voyez, c'est des photos de l'époque. Regardez avec Brigitte Bardot comment on était jeunes. C'est incroyable. Dalida. Dalida. Ouais. Et ça, c'est le José Reyes, c'est le papa des Gypsy King, de la famille Reyes. Ouais. Ah bon, ton papa Reyes. Voilà, ah, et on était très jeunes. Ça, c'est dans les années 70. Et Brigitte... Les années 1980. Ça, c'est en 80, mais Brigitte Bardot, je la connaissais avant. Et ce qui est super avec Brigitte Bardot, par exemple, c'est que quand on n'était pas connus à cette époque-là, nous, on s'appelait Los Reyes. Ah. Et elle venait... un jour, elle m'a dit, Chico, quand vous avez des soirées sympathiques, dis-moi-le, moi, je viens avec vous dans les soirées. Mais moi, j'ai dit à Brigitte, mais c'est pas possible, comment tu peux venir dans les soirées? Et un jour, j'ai été la chercher, on a été dans une soirée privée, elle a mis une jupe longue, une perruque, et elle a dansé, et les gens, ils disaient, mais... C'est bizarre, la danseuse, elle ressemble à Brigitte Bardot. Incroyable. Et ça a été pour nous, et c'était le démarrage de la légende des Gypsy King à l'époque. C'est formidable. Alors, c'est Enrico Macias, non? Il nous a invités à l'Olympia pendant 3 semaines. Il nous a pris sur la plage. Oui. Il nous a amené à l'Olympia pendant 3 semaines. Et ça a été 3 semaines de bonheur. Et pour moi, c'est important parce que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que le public, C'était d'autres chemins. Cette photo, elle faisait partie d'une affiche où nous avons fait un concert en Allemagne en 1977. Et on avait enregistré notre premier album qui s'appelait Gitan Poète avec José Reyes et Los Reyes. Je sais, c'était super. Hein. C'était super, oui. Et c'était le démarrage de l'histoire avec les Reyes. Et puis alors, je l'ai mis ici, cette photo, parce que vous voyez, ça, c'est un château d'eau. Ouais. Et c'est ce qui alimentait le chantier de l'époque. Ah bon? Et ça faisait partie de l'usine qui était par terre, et j'ai gardé comme un symbole. Bamboleo, Conchico and the Gypsies, with my friend Fouad from Turkey. Ole! Baba Jan, yes, sir. Amor del pasado por el sol.
Chico, merci beaucoup. Je suis très content d'être ici avec toi. Merci, c'est un plaisir de vous accueillir et de partager un moment ensemble. Ah oui, ben merci beaucoup. Alors, commençons avec votre enfance. Mon enfance, ben, moi je suis de père marocain, de mère algérienne. Je suis né en France et j'ai grandi avec des gitans, avec des gypsies. Mm-hmm. J'ai commencé cette belle aventure musicale, j'avais 16 ans à peu près. 16 ans. Mm. J'étais très copain avec les frères Reyes. Ah bon. Et puis un jour, nous sommes partis à Saint-Tropez. Ah bon. Et à Saint-Tropez, nous avons eu la chance d'avoir des gens qui nous ont aimés tout de suite. Ils ont aimé notre musique, ils ont aimé Nicolas qui chantait, Canout qui chantait. Et on avait pris l'habitude de retourner tous les week-ends à Saint-Tropez, simplement pour chanter, mais on chantait dans les restaurants. Ah bon. Mais c'était déjà notre premier public, mm-hmm. et c'était un public qui nous a aidés à faire nos fondations. Et avec ça, petit à petit, ben, on a construit, sans savoir
qu'on allait avoir un grand, grand, grand succès, mm-hmm. mais toujours avec la foi. Ah bon, la foi de la musique, ouais. l'amour, la passion, l'émotion. Et ça, ça a toujours existé. Jusqu'à 16 ans, qu'est-ce que vous avez ? À 16 ans, ça a commencé parce que c'est les gens qui nous ont écoutés qui nous ont fait révéler ce que nous, on avait. Parce que nous, on chantait, on jouait, on était comme ça. Mais les gens, ils étaient tellement heureux, ils étaient tellement hypnotisés par notre musique que c'est eux qui nous ont fait découvrir ce que nous, on était. Et c'est eux qui nous ont poussés. C'est eux qui nous ont poussés. Et puis après, à Saint-Tropez, ben, on a connu plein de gens qui ont été très importants dans notre vie. Quand et comment on a découvert ton talent ? Notre talent, en fait, le public, je crois, tous les publics ont toujours aimé notre musique. Mais il y avait des gens qui étaient importants pour nous aider. Et il y a Enrico Macias, par exemple. Il y a Brigitte Bardot. Il y a toujours eu des personnes qui nous ont aidés. Même quand ce n'était pas une aide physique, c'était une aide spirituelle. C'était nous encourager à ne pas nous décourager. Ah bon, ça c'était bien. Et ça, c'était génial, parce que c'est vrai que c'est quand même c'est un métier difficile. Quand ça marche, mais quand ça ne marche pas, c'est compliqué. Et nous, on voulait absolument que ça marche parce qu'on voulait vivre de notre passion et c'est ce qu'on est arrivé à faire. Aventure musicale, si devant. Mon aventure musicale, ben, c'est avec les frères Reyes. Reyes. Donc, on a monté un groupe qui s'appelait Los Reyes. Avec le papa, on a fait José Reyes et Los Reyes. On a fait deux albums. Ah bon ? Gitan Poète et L'amour d'un jour, en 77 et 78. Ça, je sais. Voilà. Donc, on a fait en 77, 78, L'amour d'un jour. Et on a ensuite enregistré. Donc, c'était Los Reyes jusqu'en 1980. Mm-hmm. Et en 1980, moi, j'ai décidé de changer le nom de Los Reyes à Gypsy King. Ah, c'est toi qui as changé. C'est moi qui ai changé le nom. Bon. Parce qu'on faisait. On n'était pas connus, mais on faisait de Saint-Tropez. On allait jouer dans les Émirats arabes, à Dubaï. On allait jouer à New York. On allait jouer en Italie, un peu de partout. Et les gens, quand ils nous posaient la question, ils disaient, mais comment vous vous appelez ? Donc, on disait Los Reyes. Mais ils nous disaient Los Reyes d'où ? D'Espagne, du Paraguay. Parce qu'il y avait, il y avait déjà des groupes. Il y a beaucoup de Los Reyes. Et moi, je me suis dit, ah, ça, c'est un blocage. Et puis surtout, j'ai réalisé que notre musique était internationale. Puisqu'on allait déjà un petit peu partout avant d'être connus. Et il nous fallait un passeport international. Et c'est pour ça qu'un jour, j'ai changé de Los Reyes à Gypsy King. Et donc, en 1981, on a fait le premier album Alegria. Et là, j'ai appelé Gypsy King Los Reyes. Je ne voulais pas que les gens y pensent qu'il y a deux groupes. Ah bon. Et du coup, on a fait ça, Gypsy King Los Reyes. Et le deuxième album derrière Luna de Fuego, là, on a commencé à faire que Gypsy King. Ah bon. Mais quand j'ai mis Gypsy King, personne ne voulait Gypsy King, le nom. Ah bon ? Parce qu'en France, la famille... Après, José, il est décédé, est mort. Oui. Donc, les enfants, la famille, ils voulaient garder Los Reyes en hommage au papa. Ah, oui. Donc, c'était compliqué pour la famille et pour les musiciens. Après, les maisons de disques, ils ne voulaient pas Gypsy King parce qu'ils nous disaient, mais vous... Vous n'êtes pas anglais, vous ne faites pas du rock'n'roll, et Gypsy King, ça a une consonance anglo-saxonne. Et c'est mieux si vous restez Los Reyes. Et moi, j'ai dit non, j'ai dit, je ne peux pas. Il faut avancer, je ne peux pas reculer. Et j'ai gardé le nom, mais c'était difficile. Hein. Ça, c'était en 82, le deuxième album. Oui. Et ensuite, en 87, on a enregistré l'album avec Bamboléo, avec Joby Joba, avec Unamor, tout ça, tous les titres qui ont été des succès. Et on a eu la chance, ça a été un succès planétaire. Ça a marché dans le monde entier. C'était énorme. Voilà. Donc, le public nous a découvert à ce moment-là. Mais nous, ça faisait 15 ans qu'on faisait de la musique. Et donc, c'était vraiment une belle aventure musicale. Et après, de là, on est parti. On a fait le tour de la planète. On est venu chez vous en Turquie, où on a eu un succès incroyable. Chez vous, on a eu la première cassette d'or. Oui, c'est ça. Vous vous rappelez ? C'est ça, on a eu la cassette d'or. Oui, c'est ça. Et je crois que vous êtes le deuxième ou le troisième qui a eu ça. Ah, mais c'était génial. Oui, c'était génial. C'était incroyable. Donc voilà, et tout ça, ça fait partie de cette belle aventure musicale. Ensuite, donc, il y a eu l'album Mosaïque. Et puis en 91, on s'est séparés, les Gypsy King et moi. Ah, ça, je vais vous le demander maintenant. Voilà. Comment vous êtes séparés avec Gypsy King ? En fait, on s'est séparés parce que moi, à l'époque... J'ai osé demander des comptes à notre producteur parce qu'on faisait des concerts dans le monde entier et on n'avait pas les revenus qui correspondaient.
Et le jour où j'ai demandé des comptes, j'ai signé mon arrêt de faire la musique dans le groupe parce que c'était compliqué, c'était difficile pour moi parce que Gypsy King, c'était mon bébé. Ben oui. On a toujours été ensemble. Mais bon, c'est la vie. C'est la vie, c'est comme ça. Et ensuite, on s'est séparés en 91. Et en 92, j'ai remonté un groupe que j'ai appelé Chico et les Gypsy. C'est le groupe qu'on a joué ensemble. Voilà, il manque encore deux, trois. Hein. Ah bon, oui. Mais ce qui est incroyable, c'est que moi, quand je me suis séparé des Gypsy King, j'avais une telle... ça m'avait fait mal. Je ne voulais plus faire de musique. Hein. Ah, vraiment? Ah oui. J'ai dit, moi, j'arrête parce que ça m'a fait mal quand même. D'être, parce que j'ai demandé des comptes pour tout le monde, je me suis retrouvé dehors. Et en fait, quand j'allais à la boulangerie, je prenais l'avion, je prenais le train, tout le monde m'arrêtait à moi. Ils me disaient, mais pourquoi vous arrêtez? On vous aime. Les gens dans la rue. Et beaucoup, 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 beaucoup. Et un jour, j'ai dit, mais si les gens y m'aiment, c'est dommage de... Ouais. D'arrêter. D'arrêter. Et en fait, ça m'a donné du courage. Et j'ai remonté Chico et les Gypsy en 92. Et j'ai fait 10 albums. Tu as très bien. Et j'ai continué cette carrière. C'est de l'énergie, c'est du vœu. Oui, on a beaucoup de courage. Quel était le point de déclic dans ta carrière musicale? Moi, j'ai fait beaucoup de rencontres. J'ai la chance, vraiment, le bon Dieu m'a donné cette chance de rencontrer des gens extraordinaires. Ouais. Et un jour, j'ai joué en Suisse, à l'époque de 74-75, les clients étaient très contents. Et il y avait moi et celui qui a les cheveux longs, Canout, qui chantait tout à l'heure. Ah bon? Et comme il était content, il me dit, si vous revenez ce soir, il y aura Charlie Chaplin qui sera là, qui venait dîner au restaurant. Waouh! Et moi, je suis resté KO. J'ai dit, Charlie Chaplin, c'est... Ouais, on a tous grandi avec Charlie Chaplin. Oui, bien sûr. Et je suis sorti... Et donc, j'ai dit à Canout, qui était avec moi, je lui ai dit, mais Canout, tu te rends compte, ce soir, il y a Charlie Chaplin qui va venir ici, on va venir jouer pour lui. Et il me dit, mais Charlie Chaplin, Charlot. J'ai dit oui. Mais le soir, on est revenu et on a joué pour Charlie Chaplin, qui était âgé, qui étaient avec lui. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'était incroyable. Parce que quand on a joué, lui, il a fait rire le monde entier. Et quand on a joué, il s'est mis à pleurer. Ah, c'est... Et pour moi... C'est choquant, vraiment. Non, mais c'était extraordinaire. Et pour moi, ça, c'était des signes que notre musique allait avoir de l'avenir. Parce que ça touchait le cœur. C'est un grand signe. Et vraiment, pour moi, ça, c'était un vrai déclic. J'en ai eu plusieurs pour toujours me donner du courage pour avancer. Mais celui-là, c'était extraordinaire. Comment tu peux définir ton musique? Moi, je dirais que la définition de ma musique, c'est gypsy rock. D'accord? Je dirais qu'avec la main gauche, nous avons tout l'héritage flamenco, les influences des parents, de l'Espagne. Et avec la droite, c'est toute l'énergie du rock. C'est très bien. Et c'est ça qui fait que c'est devenu accessible à tout le monde. Quand les garçons y chantent, on a l'impression que ça vient d'un peuple. Oui. Ça vient de très loin. Oui. Et puis, il y a aussi toute cette énergie avec les influences qu'on a eues quand on a grandi, oui, quand on a commencé à faire de la musique. Et moi, je trouve bien le nom de Gypsy Rock parce que ça définit un peu notre façon de faire de la musique. Quel est ton concert inoubliable? Mon concert inoubliable? Alors moi, j'ai la chance d'avoir une carrière internationale. On a joué aux États-Unis, on a joué partout. Là, je pars encore au Japon, enfin, de partout. Et franchement, mon plus beau concert qui m'a donné l'émotion, mais alors... Satisfaction et tout. C'est quand on a joué pour des enfants malades dans un hôpital. Ah bon? Et qui avaient des tumeurs cérébrales. Ah. Et on a, avec plaisir, joué pour eux. Et vraiment, pour moi, j'ai compris le sens de la vie. C'était de donner, de partager... Et de vivre des moments incroyables avec ces enfants qui, pour nous, étaient une leçon. Wow. Tu as donné beaucoup de concerts en Turquie, je crois. J'ai donné pas mal de concerts en Turquie. Quelles sont tes idées, tes sentiments concernant les spectateurs turcs? Ah, super, c'est un public extraordinaire. Le public, il est comme nous, il ressent la subtilité. La subtilité, oui.
il est très sensible. Et franchement, moi, j'adore le public turc. J'adore la Turquie, mais j'adore le public turc. On a joué à Istanbul, on a joué dans plein de villes, mais franchement, chaque fois, ça a toujours été... Tout le monde vous aime beaucoup. Ouais, je sais, franchement... Qu'est-ce que tu penses de la musique turque? Est-il proche à la vôtre? Mais oui, oui, oui. Dans les rythmes, dans la façon de chanter, dans les sentiments qui sont donnés dans les chansons, on sent que c'est... La vie, elle est chantée, mais avec l'intérieur. Ouais. Et moi, j'adore. J'adore. Franchement, il y a des... J'adore. Est-ce que tu as des nouveaux projets? Alors, les projets, ouais. Alors, les projets, c'est toujours des concerts, évidemment. Concert. Et on a un album qui est sorti là maintenant en novembre. Ah bon? Un best-of. Ah bon? Avec quelques titres inédits. Et puis surtout, on a préparé un nouvel album pour 2020. Ah bon? Qui est déjà enregistré, de chansons originales. Ah. Et je suis sûr que ce sera une surprise pour le public turc qui nous adore. Ah, ça, c'est une grande surprise. Ouais, vraiment. On l'a fait avec impatience. Hein? On l'a enregistré une partie aux États-Unis, une partie à Paris. Mais vraiment, je suis très content parce que depuis longtemps, il n'y a pas eu un bel album original. Tu es dans ce métier depuis longtemps. 40 ans. Quelles sont les parts positives et les parts négatives de ça? Pas négatif, mais je pense que pour tous les artistes du monde, en fait, c'est de laisser toujours un peu la famille pour partir. Ah oui. Ça, quelque part, c'est toujours un peu compliqué. Oui. Mais bon, après, le reste, c'est que du bonheur. Ah, oui. Quand on a la chance de faire de la musique, de vivre de sa musique, rendre les gens heureux, et qui nous donnent, eux, du bonheur aussi, je crois que c'est super. Moi, franchement. La musique a changé depuis... Le 20e siècle. Tout a changé. Qu'est-ce que tu penses de ce changement? Ça a changé, mais quand même, il reste toujours des racines fortes. Et je crois qu'il y a des racines fortes qui se créent encore aujourd'hui, mais dans le passé, il y a quand même des choses très fortes qui se sont faites et qui resteront toujours. Qui resteront toujours. Est-ce qu'on, tu penses qu'est-ce qu'on perd un peu la mélodie et l'harmonie et tout ça avec les nouveaux... Peut-être qu'on perd... Mais il y a toujours... Il y a une partie, peut-être, qui évolue dans un sens différent, mais la mélodie, tout ça, il y aura toujours des chanteurs qui feront des mélodies. Ouais. Chanteurs, chanteuses. Ouais. Ça, je crois que ça existera toujours. Parce que la mélodie, c'est l'hymne à la vie. Même dans les chansons différentes qui sont jouées avec moins de mélodies, il y a parfois des choses qui sont surprenantes. L'important, c'est que les gens s'expriment. Ah oui. Et quand ils s'expriment avec sincérité, avec le cœur, avec la passion... Avec l'amour, ça touche les gens. Ouais. À part de la musique, est-ce que tu as d'autres hobbies? Oui, bien sûr. Moi, j'aime marcher. J'aime aller à la campagne marcher. J'aime aller en Camargue. Ici, nous avons la Camargue avec des chevaux, des taureaux. Ah, c'est une région qui est super ici. Oui, c'est extraordinaire. La Provence, c'est la capitale du monde. Hein. Tout le monde va voir, c'est la beauté de cette place. Oui, mais la place, mais en dehors de la place, c'est encore... C'est très, très beau, vraiment. Et donc, moi, j'aime aller m'inspirer. Et puis, j'aime visiter quand je pars jouer. Par exemple, j'aime aller voir les endroits, les villes, les musées, rencontrer les gens. Est-ce que tu peux nous dire comment tu passes une journée? Ici, une journée, je la passe un peu au bureau quand même, parce qu'il faut travailler. Et puis, on se retrouve entre nous pour travailler un peu la musique. Puis on va déjeuner ensemble, et puis on va se promener, et puis... Vous faites ça chaque jour? Pas tous les jours, mais de temps en temps. Et puis après, il y a la famille, et puis il y a toujours quelque chose à faire. Alors, merci Chico pour ce reportage. Merci beaucoup. Merci Fouad. C'est un vrai bonheur, et puis rendez-vous en Turquie. Hein. Oui, on va se voir en Turquie. Amor mio, como primo. Olé. We'll be right back.
olamam ben sensiz. Yapamam sevgisiz. Sevgili seyirciler, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Arda'ydık ve Chico and the Gypsies'le birlikteydik. Aramızda müzik var. Sizin de aranızda sınırlar değil, sevgi, hoşgörü, müzik
ve sanat olsun. Hoşça kalın.